nom c'est Timbiri Wensé, artiste musicien, qui fait partie d'une communauté qu'on appelle la communauté Saint, située le nord-ouest du Burkina Faso. Quand j'étais enfant, j'ai appris à faire de la musique à travers la famille, mes oncles, mes grands-pères. Comme je le disais, les familles dans les traditions africaines étaient organisées en des modules de sagesse. Je veux dire que tu as les griots qui ont aussi les quartiers. C'est leur métier, c'est aussi leur façon de porter la parole, et d'ambiancer et de tenter et aussi d'apporter de la joie. Voilà. Quand il est la voix, la joie, il faut la réinventer. Dieu merci, à partir de la ville, le métier, c'est à partir de la ville que les nouveaux métiers naissent. Parce qu'il faut donner du nom à chacun, il faut identifier chacun. Et c'est à partir de la ville maintenant qui est bon. On dit, mais il fait quel métier, quel boulot il fait, et voilà. Et puis bon, il faut trouver en tout cas un savoir-faire pour aussi s'intégrer dans la ville. Je parle des nouvelles capitales africaines. Et c'est comme ça, moi j'ai pu aussi m'intégrer dans le monde de la musique. Je me suis attaché en fait un peu au valet traditionnel. Je pense que grâce à cet instrument, et ça m'a donné l'écho de me dire, ben, en Afrique, il y a aussi des instruments que nos grands-pères, voilà, nos aïeux ont fabriqués aussi pour aussi tenir compte de l'équilibre même de l'environnement. Parce qu'ils ne coupaient pas tous les bois pour laisser l'espace vide, mais ils coupaient les bois pour aussi, comment dire, au contraire, pour honorer en fait un peu la nature et chanter la nature. Et appeler la nature à l'aide. Donc la première chanson que je vais chanter, c'est une chanson qui s'appelle, c'est la chanson des oiseaux qui appelle la pluie. Murina foda na banda, sukutuna na foda na banda. Amo el amune, lamu o somutie. Sko irina o, ho aba ho, ho irina o, ho aba o o. Ho irina o. Oh ah ah oh, oh irino, oh ah ah oh. L'instrument ça s'appelle la kora. La kora est un instrument fait partie voilà de la mythologie. Du mandé, du mandin. Quand on parle du mandin, on peut toujours rappeler ou se souvenir en fait, un peu de comment le royaume mandin a été reconstitué voilà, depuis le 12e siècle, mais au même temps, et pouvoir aussi la participation des griots dans l'organisation en fait, un peu du social et aussi de l'encouragement et comment permettre en fait, un peu comment dire, voilà,
que ce soit aux soldats, aux vivants, voilà, de perpétuer et de, voilà, pour l'harmonie. Donc la kora fait partie de cette mythologie des instruments. Cet instrument, quand je le regarde, voilà, sous forme de boule, comme un canari, là, c'est fait de calebasse et de peau, une imagination ancestrale. Il varie selon les différentes ethnies. Chez le Mossé également, c'est un instrument qu'on retrouve, voilà, qui accompagne le roi. Donc c'est un instrument qui est dans la cour royale, c'est dans la tradition, qui accompagne le geste, le mouvement du roi, et c'est les griots qui l'utilisent. Et chez les Mossé, c'est les bendrés. Et chez les bobos, comme on est dans la cour des bobos, et ils appellent ça les baras. Donc l'instrument change de nom selon les ethnies. Et je pense que les jets aussi sont différents. La façon de jouer est différente parce que les rythmiques sont un peu différentes. Et je pense que les rythmiques aussi peuvent être liées aussi à l'interprétation de l'environnement, du mouvement, des vibrations, comment les gens vivent au quotidien, comment ils conjuguent leur quotidien, comment ils, le rapport du corps dans l'espace, et comment voilà, les énergies, et le rapport à la terre également. Ça peut différencier selon les différentes ethnies. Donc c'est un instrument, voilà, qui sert d'accompagnement aussi des balafons et des autres instruments à cordes. Dans un orchestre d'instruments traditionnels, vous aurez les baras, vous aurez également les dundum, voilà, les bendrés et des fois les cascagnettes et plein de... Plein, voilà. Si on fait un orchestre avec 20 instruments, c'est toujours possible, et qui va susciter à la danse. Parce que je pense que c'est une façon, tu vois, de vibrer en fait un peu dans son environnement, et de manifester aussi sa joie, vivre son amour aussi pour la vie. C'est le bendré qu'on appelle le bara. Je ne suis pas menuisier, voilà, mais je sais qu'il y a ce contact avec le bois reste en fait un peu pour moi. Le premier contact, que l'homme s'est appuyé pour aller vers les autres choses. Voilà. Et je pense que même de notre enfance à notre vieillesse, on est à s'appuyer aussi pour avoir trois pieds quand on devient vieux. Voilà. Donc le bois nous accompagne en fait à tout moment de notre être. Quoi. Cache notre honte et nous appuyons sur lui pour dis bonjour à Dieu aussi. Voilà, c'est comme ça, moi je pense en tant que poète, philosophe et musicien.